Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme Munko Live et je vous encourage à continuer à vous abonner massivement et de partager tout ce que nous faisons pour motiver et changer la vie de certaines personnes. Alors ce matin, le thème que je vais développer avec vous, c'est la vie et ses principes. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour prédire le succès ou l'échec d'une personne, non. Il suffit de regarder les différents principes que cette personne applique dans sa vie pour savoir si cette personne atteindra le sommet ou non dans sa vie. D'accord? Alors, aujourd'hui, là où vous êtes, dans votre métier, dans votre vie, dans votre environnement, quel est le principe de vie que vous appliquez? D'accord? Si vous sachez que si vous voulez être riche, il y a des principes. Si vous voulez une promotion dans votre travail, il y a des principes. D'accord? Si vous voulez l'harmonie dans votre couple, il y a des principes. Si vous voulez le respect des gens dans votre environnement, il y a des principes. Donc, quel que soit l'objectif que vous visez dans votre vie, il vous faut appliquer certains principes. Et qu'est-ce que j'appelle principes? Les principes, ce sont les règles que vous devez respecter. D'accord? Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en classe d'examen. D'accord? Quels sont les principes que cette personne doit appliquer? Cette personne, par exemple, doit étudier tous les jours. Cette personne doit connaître ses insuffisances et les combler en étudiant mieux les matières qu'elle ne comprend pas. Cette personne devra s'approcher des différentes personnes qui comprennent mieux ce qu'elle ne comprend pas. Ça, ce sont des principes. Alors, une personne, par exemple, qui souhaite avoir la promotion dans son travail, doit appliquer des principes. Faire mieux toutes les tâches qu'on lui confie. Ne pas avoir peur de dire ce qu'elle pense, ce que vous comprenez. Donc, peu importe ce que vous voulez dans la vie, demandez-vous toujours, est-ce que j'applique les principes qu'il faut? Parce que tant que vous n'allez pas appliquer les principes par rapport à un résultat que vous attendez, vous serez toujours déçu et frustré. La vie, c'est une histoire de principes. Comme je l'ai dit en introduction, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir ce que vous allez devenir. Il suffit de regarder les différents principes que vous appliquez dans votre vie pour deviner ou prédire votre avenir. Vous marchez avec qui? Quels sont les sujets dont vous aimez parler régulièrement? D'accord? Les personnes avec qui vous marchez le plus, c'est tout ça qui détermine ce que vous allez devenir et c'est tout ça qu'on met dans le lot des principes. Sur ce, je vous remercie et je vous encourage à vous abonner sur la plateforme Munko Live de notre frère Christian. Merci beaucoup.